Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec toutes les nouveautés que j'ai reçues récemment. Pour un petit disclaimer, tout ce que je reçois, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement. Si jamais il y a des liens d'affiliation, ils seront listés en barre d'infos. Et si j'ai des codes promo, je vous les mettrai. Mais parfois, je ne suis absolument pas non plus rémunérée pour les codes promo et compagnie. Voilà tout. Alors on commence, c'est parti. J'ai été très gâtée. J'ai reçu énormément de choses, je me rends compte tout de suite, mais en fait c'est que des choses que je vais utiliser et que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors bah écoutez, je vais prendre ce qui me vient. J'ai reçu du coup de la part de Melvita ce nouveau produit skincare qu'on voit vraiment partout je trouve, et tant mieux parce qu'il est génial. Ça s'appelle Source de Rose, c'est une eau extraordinaire, c'est une essence hydra-repulpante. Voilà, donc c'est vraiment une essence, c'est quelque chose qui est très gélifié, vous voyez comment ça se tient. Je vous ai fait un petit TikTok à son sujet, je l'ai intégré dans ma morning routine. Franchement j'aime beaucoup, ça sent super bon la rose, c'est excellent. Donc c'est une essence, ça se met juste après votre tonnerre et avant votre sérum. Dedans il y a de l'acide hyaluronique notamment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'eau florale de rose et de l'huile de rosier muscat. C'est bio, c'est français et franchement pépite. J'adore ça, c'est complètement validé, c'est intégré à ma routine. J'ai également reçu donc des produits pour le corps de grande surface et qui sont très très bien. Alors ben ça j'utilise en ce moment. C'est le petit pouce-pouce, donc c'est de la marque Renette Senses. Renette c'est la marque qui fait notamment tout ce qui est les pastilles pour le lave-vaisselle, la machine à laver, le liquide vaisselle et compagnie. Mais ils ont développé donc une marque pour le corps. Donc de produits d'hygiène corporelle pour toute la famille, et ça c'est super aussi. Donc le petit pouce-pouce, trop bien, ça sent la grenade. Alors il y a trois parfums, il y a grenade, aloe vera et amande douce. Je trouve ça bien, ne pas avoir 36, de ne pas être parti dans trop de senteurs. Et franchement, top. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il y a également les recharges. Et ce qui est cool, c'est que c'est que des packaging qui sont issus de plastique recyclé. Et tout est donc 100% recyclé et c'est 100% recyclable, donc c'est encore mieux. Non, je dis une bêtise, ça c'est à l'aloe vera et la recharge que j'ai eue, c'est à la grenade. C'est également vegan et c'est à minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est super sympa. Donc ça, après j'ai également reçu le gel douche. Le gel douche pareil, hydratant à l'aloe vera. J'ai déjà testé deux fois, ça sent méga bon, ça mousse bien, c'est top, donc on adore. Si vous entendez hurler, désolé, c'est les voisins qui hurlent. Les enfants. Alors ensuite on a donc la recharge qui va avec, donc très bien aussi. Grosse recharge de 500 ml, donc ça permet de recharger ça, top. Et enfin le shampoing que j'ai déjà testé une fois, j'aime bien utiliser ce type de shampoing. C'est un shampoing doux, pareil à l'aloe vera, pour tout le monde, pour toute la famille. Je l'utilise en premier shampoing et après je passe à un shampoing, on va dire, un peu plus traitant. Et voilà, franchement il est très bien. Après, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un produit skincare. Attendez, je pose ça. J'ai reçu donc un produit skincare. J'ai reçu des magnifiques colis. En fait, je suis trop contente. Donc là, c'est de la part de Nuance. C'est la petite nouveauté qui sort le 15 octobre. En fait, il s'agit de ce sérum. C'est un soin clarifiant anti-rougeur. C'est un complexe avec 15% d'acide azélaïque et tranexamique. Voilà. Donc c'est la petite nouveauté, donc le 15 octobre il sort, c'est notamment anti-rougeur mais également anti-tache. Donc ça c'est parfait pour ma peau, ça a une texture gel crème et en fait l'idée c'est de le mettre le soir sur peau propre et après de continuer sa routine avec par exemple un humectant, du rétinol, sa crème de nuit, contour de l'œil et puis c'est parti quoi. Donc trop bien, là ça fait 3 fois que je l'utilise. Pour l'instant, RAS, ça ne me picote pas. Ils disent de mettre sur les taches ou sur les rougeurs. J'en mets sur tout mon visage et sur mon cou puisque j'ai des taches un peu partout. Voilà, donc ça, top. De nuances, c'est pas fini. Vous l'avez vu, j'ai reçu le masque multifonction qui est là. Donc le masque multifonction, c'est le masque qui va faire pour le cou le décolleté, qui va également faire pour l'abdomen, donc le ventre, si notamment vous avez, je sais pas moi, une cicatrice récente d'une césarienne par exemple, ça va vous aider à cicatriser, ça va également apporter de la fermeté à la peau. Vous pouvez aussi le mettre dans le dos si notamment vous avez des petites cicatrices d'acné et compagnie, sur les bras si vous avez en effet des cicatrices, vous pouvez tout à fait le poser sur le bras, sur la jambe, partout. Et ça c'est vraiment génial, c'est pas comme le curé de maudit qui se limite vraiment au cou et décolleté. Et encore, comme je l'ai dit, le curé de maudit il est un peu trop court. Bon ben là au moins parfait, on a tout ce qu'il faut.
des LED. Alors les LED à l'intérieur, c'est des LED, c'est les mêmes que celles qu'il y a sur le masque visage pro. Voilà, moi j'ai le masque essentiel. Et là, c'est les LED du pro qui sont encore plus puissantes. Elles ont une plus forte irradiance. Donc, on est au taquet, on est top, top, top. Alors, à l'heure où je publierai cette vidéo, jusqu'au 5 octobre, il y a moins 20% sur le lancement de ce masque, cumulable avec mon code promo que j'ai maintenant avec Nuance, qui est Citadine15 et qui vous donne droit à moins 15% sur tout le site. Donc, cumulé avec les promos, donc ça, c'est génial. Voilà, donc sa petite pépite, pareil, j'utilise depuis que je l'ai reçue, tous les soirs pendant 10 minutes. Voilà. Après, on continue. J'ai reçu de la part de la marque Less is More. C'est We Are Less Is More, oui, We Are Less Is More, donc comment ça se dit déjà, Less Is More, le moins c'est le mieux, enfin bon bref, vous avez compris le concept. Donc l'idée c'est d'avoir des produits pérennes dans le temps, avec des packagings du coup issus, enfin qui sont, il me semble, en matériaux recyclés, et qui sont du coup pour une utilisation, une fois qu'on a fini, on ne jette pas en fait. J'aime beaucoup les packagings. Alors c'est en plastique, mais c'est super qualitatif, je trouve. Faut mettre dans une jolie salle de bain, ça fait pas tache. Ça fait pas, truc blanc ou de grande surface, pas très quali. Je trouve les packagings super qualitatifs. Et on va retrouver donc pour chacun des petites dosettes solides. Et en fait, il suffit juste d'ajouter de l'eau pour faire le produit escompté. Donc il y a plusieurs parfums. Moi j'ai choisi pour moi ce que j'aime bien. Donc j'ai reçu un shampoing Vitalité avec baie de goji et acérola. J'ai reçu le liquide pour les mains mandarine et sauge. Et basilic citron pour le gel douche fraîcheur. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore mis en œuvre. Mais c'est prévu, il faut que je m'en occupe, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc les packagings sont comme ça. Dessus, à chaque fois, il y a marqué ce que c'est. Donc là, c'est pour le gel douche. Ici, on a pour le shampoing et là, pour le pousse-pousse pour les mains. Voilà, très quali, on adore. Donc c'est dans un, c'est vegan, c'est d'origine naturelle, c'est bon pour la planète. Enfin voilà, donc c'est très très bien et surtout c'est français. Et on n'en a pas du tout parlé de cette marque-là, donc j'en profite. Voilà, donc We Are Less Is More, donc parfait. Après, autre produit que j'ai reçu la nouvelle box de My Little Box. Je ne sais pas si je vous aurais déjà publié l'unboxing ou pas. Ah, je suis floue, coucou, je suis là. C'est bon. À l'intérieur, on retrouve donc deux produits, deux goodies et trois produits skincare. La box, elle est géniale. Franchement, je vous la conseille. Je vous mettrai le lien. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Il y a un code promo, pareil, c'est pas du tout un code promo d'affiliation. Donc là, j'ai le petit truc, le petit cordon pour mettre au téléphone. Vous mettez ça dans votre coque et vous avez le cordon. Je trouve ça tellement pratique. La box, c'est une lunchbox en fait. Donc ça, c'est excellent aussi. En fait, l'idée, le thème, c'est... Le voyage en train avec sans punaise de lit. Le voyage en train et de regarder par la fenêtre et compagnie. Et on va retrouver notamment en notre goodies un petit, une petite serviette démaquillante. Donc très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a avec le combo, on va voir le baume démaquillant de The Body Shop à la camomille que je ne connais pas. Donc je suis ravie de le découvrir. Également, ça je connais, je peux vous en parler, c'est validé fort 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 au moins trois fois puisque j'ai eu les pots en full size. C'est la crème des vagues, la crème hydrafondante de Algology, qui est une marque bretonne qu'on adore. Et également en dernier, dedans il y a un petit masque à l'argile. Comment ça s'appelle? Masque au super zama volcanique. De la marque Innisfree, donc ça, très bien aussi, moi qui adore les masques, ben écoutez, je suis rincée. Et en plus, comme je vous dis, la petite lunchbox, donc trop cute, et en plus, on peut, elle garde les ingrédients au frais, donc c'est pas mal du tout. Donc je trouve ça vraiment génial, elle a un super prix, elle est top. Après, qu'est-ce que j'ai reçu? Oui, j'ai encore reçu un autre produit. C'est la gelée démaquillante de la marque, donc c'est Enotime by... Non, c'est Eno by Codexial maintenant. Avant, ça s'appelait Eno Time, c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis. Si, si, c'est Eno Time toujours. Donc, c'est une marque française. La marque mère, en fait, c'est Codexial et ils ont lancé Eno Time. J'avais testé de cette marque-là des sérums, notamment la vitamine C au rétinol qui était hyper bien avec des flacons airless, donc franchement top. Ils étaient super, la compo était top. Donc là, c'est la petite gelée démaquillante. Ça fait 3 jours que je la teste. J'aime bien, c'est une vraie gelée. Alors elle est facile d'application, j'avais peur qu'elle soit trop compacte, qu'on galère un peu, que ça fasse vraiment, c'est pas une cire, voilà, j'avais peur que ça fasse de la cire, mais pas du tout, c'est vraiment une gelée.
elle s'applique bien, on peut bien la passer sur tout le visage, elle pique pas les yeux. Et que vous dire d'autre, elle sent méga bon. Dedans, on retrouve de la figue de l'huile de figue de Barbarie bio et de la vitamine E. Donc elle démaquille bien même le waterproof et elle s'émulsionne bien. Dès qu'on met de l'eau dessus, elle se transforme en lait et elle s'émulsionne très bien, elle s'enlève bien. Voilà, franchement, très bien. Je suis contente de l'avoir reçue parce que c'est un top. C'est un petit top pour l'instant. Voilà. Donc je continue d'utiliser. Mais j'aime beaucoup. Après, j'ai reçu aussi donc une crème solaire, il y avait longtemps, Passion SPF, la Revitalift Clinical, la fluide anti-UV enrichie la vitamine C. C'est un SPF 50+, je connais déjà ce produit-là puisque je l'ai déjà terminé une fois, vous l'avez dans mes produits terminés. Et elle est géniale. Le seul petit hic, c'est qu'elle est très très fluide. Donc quand vous en mettez, il faut faire attention que ça ne dégouline pas partout. Mais sinon, elle est super. En plus, elle va apporter notamment de la matité si vous avez la peau mixte à tendance grasse. Moi, je trouve qu'elle me fait vraiment la peau mate au niveau des ailes du nez. Donc c'est génial. Et elle ne dessèche pas la peau non plus. Elle protège bien. Bon, après, ça n'exonère pas de vous tartiner dans la journée si vous allez dehors et compagnie. Voilà, il faut bien bien se tartiner. L'SPF, c'est pas pour toute la journée à chaque fois. Il faut se retartiner entre midi et deux, moi je me retartine. Voilà, donc ça, super. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Oui, j'ai reçu aussi donc trois produits make-up, à savoir donc la trois produits L'Oréal Make-up. Alors un que je connaissais déjà, c'est l'infaillible Ultra Wear, donc le en Fresh Wear, pardon. C'est la poudre hyper connue de L'Oréal. Donc en fait, c'est un fond de teint poudre. Je vous ai fait une vidéo Instagram que je vous mettrai en lien. Vous verrez vraiment, c'est incroyable les résultats. C'est hyper matifiant. Donc si vous n'aimez pas trop le trop mat, ça ne sera pas pour vous. Bien que on peut aussi l'appliquer. Il y a une petite toupette. Donc vraiment pour l'appliquer, vous allez voir comment je l'applique si vous regardez mon reel. Mais vous pouvez prendre aussi un pinceau poudre et par faire comme ça avec des petits mouvements circulaires. Ça marche bien aussi pour une petite retouche en journée. Ça, c'est mon petit tips. Et en fait, la petite dernière qui est sortie, c'est sa petite sœur, c'est ça. C'est l'infaillible en version liquide. J'adore ce fond de teint, il est génial. C'est infaillible matte cover, c'est 32 heures. Dedans, c'est enrichi en niacinamide. Niacinamide, veut dire, ça va notamment vous apporter, ça va notamment lisser le grain de peau. Donc ça, c'est super. Ça a un effet mat. Donc pareil, si vous aimez l'effet glowy, passez votre tour. Et franchement, très très bien, dispo en grande surface et tout, petite pépite, j'aime beaucoup beaucoup. Et également, j'ai reçu, ça je ne l'ai pas encore testé, c'est la base, la 24 heures pore minimizer. Bon, moi j'ai déjà une base en cours, donc je ne l'ai pas encore ouverte celle-ci. Et on nous dit que dedans, il y a 1% de HA, LHA, BHA complexe. Et ça a vraiment flouté les pores, donc ça, très bien aussi, super que ce soit en vente en grande surface, on adore. Après, j'ai reçu aussi du coup, ben, je vous avais montré ma petite collab du mois avec ma marque préférée de vernis à ongles semi-permanent, Pink Gelac, avec qui je collabore depuis maintenant plus de 6 mois. Là, j'ai hâte de recevoir le nouveau portage du mois d'octobre. Donc là, en fait, Pink Gelac fêtait ses 10 ans. À l'occasion, ils ont sorti une collection spéciale rose, puisque c'est Pink Gelac. Et donc, le thème, c'était Decade of Pink, donc une décennie de rose. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Je vous remontre juste, donc il y avait celui-là qui est trop trop beau, le Fiesta Pink. Il y a, donc c'est celui que je porte sur les ongles, que j'adore. On a également celui-là, c'est le Splashy Pink, qui a un petit peu de paillettes, un petit peu noir-blanc, avec des reflets roses, trop trop beau. Et ensuite, on a également celui-ci, le Sparkling Pink, qui est un rose fort 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 rose, mais qui est super beau également. Et j'avais aussi reçu, bon alors ça c'est une base, la base coat, la soft nude que vous mettez du coup en base et vous pouvez même faire après un peu du nail art par-dessus, ça fonctionne très très bien. Pour Pink Gelac, j'ai un code promo qui revient tous les mois, je l'actualise sur toutes mes publications, comme ça si vous tombez dessus, vous avez le bon code promo, donc il sera mis en descriptif dès que je l'aurai. Voilà, après j'ai également reçu de nouveau, la crème Lancôme, la crème Rénergie, que je vous ai déjà présentée et que j'ai déjà terminée. Je vous avais même montré les résultats. La vidéo de présentation sera listée en barre d'infos, ainsi que la vidéo résultat, puisque je l'ai déjà testée, approuvée aussi. Bon, je vous spoil, j'ai beaucoup aimé. Alors, les 300 peptides,
un peu un coup marketing parce qu'il n'y a pas vraiment 300 peptides à l'intérieur, mais elle est quand même hyper agréable et j'avais quand même eu des petits résultats. Vous verrez le avant après, franchement pas mal. Donc là, crème Rénergie, c'est validé, je suis très contente de pouvoir la réutiliser en crème de jour. J'ai reçu aussi le sérum de Kiehl's. Donc c'est celui-ci, c'est le sérum anti-tache. À l'intérieur, on va retrouver notamment de la pivoine et un complexe de vitamine C aussi. Donc voilà, c'est anti-tache, donc ça va corriger les taches brunes. Donc j'espère que ça va fonctionner sur moi. Bon, il n'y a pas de raison. Après, j'ai trois autres colis devant moi que je vais vous montrer. Donc tous ces colis, en fait, j'ai déjà fait les unboxings en story sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pouvez, je vous montre les choses au jour le jour et je fais une vidéo récap si vous avez raté mes stories, et comme ça au moins vous avez les liens en permanence, donc en vidéo YouTube. Alors là, c'est un colis de Foreo, je collabore avec eux depuis 2020. J'ai quasiment tous les beauty devices qu'ils proposent. J'attendais ce colis là pour vous faire une vidéo dédiée à Foreo. Et donc là, c'est un colis, alors plus ou moins surprise, parce qu'en fait je leur avais demandé si je pouvais découvrir le nouveau sérum Supercharge, le sérum qu'on utilise avec le Foreo Bare. Et donc moi j'ai déjà le Foreo Bare, on va dire la V1, le premier que j'avais reçu tout de suite au lancement, qui j'aime beaucoup et que j'utilise très régulièrement. C'est donc un appareil de micro-stimulation avec des micro-courants à l'intérieur. Et en fait l'idée, c'est de le passer avec un produit humectant, donc soit une brume d'eau thermale, soit un produit type essence initiale de Scylla, ou leur sérum à eux. Voilà. Et donc je voulais découvrir leur nouveau sérum, puisqu'ils ont lancé une vraie gamme de skincare un peu plus étoffée que ce qu'il y avait auparavant. Et très gentiment, ils m'ont également envoyé en surprise le nouveau Foreo Bare, la version 2, que je suis en train d'utiliser, que je teste en ce moment. Alors, à l'utilisation, je vois pas vraiment de différence, mais apparemment, les micro-courants sont un peu plus puissants, et donc on peut s'attendre à un peu plus de résultats que la V1, donc c'est cool aussi, donc moi je suis très contente, et en plus, là, en ce moment, j'utilise les deux en même temps, ça me fait gagner beaucoup de temps. Trop, trop bien, et je vous ferai donc une vidéo très prochainement sur Foreo, avec ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas, et puis voilà. Alors, le skincare que j'ai reçu, j'ai été mais pourri gâté, en fait, je m'attendais pas à ça. Merci encore Foreo, si vous passez par là. Donc j'ai reçu le baume nettoyant ultra nourrissant, donc ça, trop hâte de le tester. La texture, elle est fait très gélifiée, en fait on dirait pas tellement un baume. Je l'ai regardé mais j'ai pas encore testé. Ça sent hyper bon, et surtout, mais regardez moi ce gol, on a des spatules dorées magnifiques, trop cool. Alors il y a également à l'intérieur donc le fameux sérum 2.0, qui est un soin enrichi en électrolytes. Donc je pense qu'il a quand même un sens, comme il est chargé en électrolytes, normalement ça devrait encore avoir plus de résultats qu'avec une simple brume ou un simple produit humectant. Les packaging sont ouf, je trouve ça hyper élégant, hyper quali, ça fait très luxe, franchement trop trop joli. J'ai pas encore testé, donc je peux pas encore vous donner mon avis, mais donc comme je vous dis, je vous présenterai tout ça sur une vidéo dédiée. Après, j'ai également reçu dans la gamme Foreo Iris. Iris, c'est pour les yeux. Donc, le petit sérum de nuit raffermissant. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je crois qu'à l'intérieur, il me semble qu'il y a du rétinol, je crois. Oui, du rétinol et de... une infusion de rétinol et de champignons. Bah, écoutez, pourquoi pas. On arrive dans l'automne, c'est tout à fait de saison. J'ai également reçu une petite crème hydratante triple action. AH et PGA, pareil, le packaging, on adore, trop trop beau le packaging, franchement trop mignon. Également, j'ai reçu un autre contour de l'œil, un contour de l'œil concentré, donc ça c'est plutôt pour le matin, voilà, j'adore les packaging, ils sont trop beaux je trouve. Et les deux autres produits, on a donc ça, c'est quoi déjà? Ça, ah oui, ça c'est un masque de nuit ultra hydratant. Bon ben ça, moi les masques, je suis complètement refaite, j'adore. Et enfin, les patchs pour les yeux, c'est des patchs hydrogel qui sont bleu ciel, ils sont magnifiques. Trop hâte de les tester aussi, j'ai pas encore eu le temps de les essayer. Donc franchement, Foreo pour y gâter, merci beaucoup, trop contente et vraiment trop hâte de découvrir tout ça. Et voilà, je vous ferai ma vidéo très bientôt. J'ai pas de code promo Foreo. Par contre, je vous mettrai mes liens que j'ai avec
Look Fantastic, puisque Look Fantastic vend du Foreo. Et Look Fantastic, vous avez jusqu'à moins 20% avec mon code. Je vous le remets juste ici, c'est LFFR avec mon nom. Et voilà, donc c'est cumulable avec les promos en cours. Je vous mettrai tous les liens, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut, si ça vous intéresse. Après, autre colis, oui j'en vois un autre ici. C'est le colis de ma petite marque aussi, Chouchou, qui est... Ah, il y a deux marques Chouchou, là, qui se... qui se complètent, on va dire. On va pas dire qu'ils s'affrontent, qu'ils se complètent. C'est la marque Éclaé. Alors, Éclaé, je vous ai fait une vidéo dédiée sur la gamme Innocent. Innocent, c'est pour les peaux à imperfection, notamment si vous avez des petits boutons et compagnie. C'est fait pour vous. Voilà, donc j'avais fait une vidéo dédiée que je remettrai en barre d'infos sur YouTube et vous allez pouvoir gagner ces 5 produits que je vous représente que j'ai déjà testés et approuvés. Alors en toute honnêteté, le baume démaquillant, je ne l'apprécie pas plus que ça. Je trouve qu'il colle beaucoup, on dirait vraiment une cire. Voilà, il y a juste ça que j'aime pas trop. Sinon tout le reste j'aime bien, il y a la petite crème hydratante qui est très légère, qui fonctionne bien. On a également le soin, le sérum anti-imperfection, il est super aussi ce petit sérum là, il fonctionne très bien aussi. Donc le masque, il est pas mal, le masque détox pour le visage, il est cool. Le baume, je vous le dis, bof, c'est pas du tout mon baume préf, mais je sais qu'il plaît à certaines d'entre vous, donc chacun ses goûts, mais moi c'est pas du tout mon bon. Voilà, moi je suis contente de l'avoir reçu, mais bof, je le donnerai à quelqu'un parce que je ne l'ai pas spécialement apprécié. Et le soin anti-imperfection, dès que vous avez un petit bouton, vous en mettez un petit peu sur le bouton, le lendemain, pouf, il n'y a plus rien, il est sorti, c'est parfait. Donc ça, c'est à gagner sur mon compte Instagram à partir de... Alors ça sera le dimanche. Si vous regardez cette vidéo, vous aurez 5 chances de plus pardon, que ceux qui ne l'auront pas vu. Je vous invite à commenter quand vous participerez à mon post sur Instagram, avec des petites étoiles, voilà, comme ça au moins je sais que c'est vous, ça veut dire peau éclatante et compagnie, des petites étoiles, celles que vous voulez, que vous avez sur votre clavier de smartphone, voilà, et comme ça, vous dites je participe avec les conditions du post, donc les conditions c'est suivre Éclaé, me suivre moi, normalement il y a liker les 5 derniers posts ou un truc comme ça, et voilà, et donc vous mettrez petites étoiles, comme ça je saurai que c'est vous qui avez regardé la vidéo, et vous aurez tout de suite 5 chances de plus. Logique aussi de remercier ma communauté YouTube, vu qu'on ne peut pas faire de concours sur YouTube. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre en commentaire que vous participez, comme ça, tout de suite, je vous capterai aussi. Voilà pour Éclaé. J'ai reçu également de Sève un nouveau sérum. Sève aussi, petite marque chouchou que je connais depuis un moment. Je l'avais connue à sa sortie. J'ai testé déjà pas mal de produits, plusieurs fois, même les mêmes produits de Sève. C'est une marque française. Donc l'élément principal, ils ont un brevet, c'est Immutox, je crois. Dedans, il y a du chaga bio et de la sève de bouleau, puisque sève, c'est pour la sève de bouleau. Et le chaga bio, c'est un champignon. Et là, ils ont sorti le Immortalis Chaga, qui est un élixir botanique jeunesse absolue. Voilà, en fait, c'est en gros pour les peaux matures. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Peau mature, donc anti-ride, fermeté, éclat, machin. Apparemment, tout est concentré là-dedans. C'est un sérum texture lactée. Moi, ça, j'adore. Oups, j'ai pas pris la matière. Ah bah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce sérum, par contre... Bon, je crois qu'il y a un problème avec la pompe. Non, ça y est, c'est bon. Le sérum, je trouve... Voilà, c'est une texture lactée. Ça, j'aime bien. Et ça sent super bon. Je trouve qu'il ressemble à d'autres sérums qu'on a déjà pu découvrir. Mais pas de la marque. Voilà, je trouve qu'il ressemble... à d'autres, il y en a qui m'ont parlé d'autres marques que je connaissais pas, mais moi je pensais à une autre marque que j'avais testée, je sais plus comment elle s'appelle, mais le flacon m'a dit oh, ça ressemble beaucoup. Bon, bref, voilà, donc j'espère qu'il va être cool. Ensuite, dernier colis, enfin dernier produit que j'ai reçu, je suis en train de checker, non, j'ai rien oublié, et après je vous laisse. C'est la marque, alors ça c'est ma marque vraiment, alors ça c'est une marque que j'adore. Bon, vous allez me dire, mais Eve, t'adores plein de marques. Oui, mais alors celle-là, j'adore et j'y suis très 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 fidèle. C'est la marque Antipode. Antipode, ça vient de Nouvelle-Zélande. Je teste, j'adore les produits Antipode. Il y en a plein que j'ai déjà reçus plein de fois et que j'ai utilisé plein de fois et j'ai terminé plein de fois. Notamment ma crème mère de préf de tous les temps. C'est la Bâtisse. Elle sent super bon la rose. Elle est rose, elle est gélifiée, elle est excellente. Ma préf. Ensuite, j'ai reçu le Anoint, le H2O anti-poche. C'est un petit contour de l'œil anti-poche.
très bien aussi celui-ci. Je l'ai testé, il est très frais le matin, il est excellent. Après ça, je ne connais pas. C'est la crème raffermissante riche en collagène. C'est la lime caviar. Je ne la connais pas, donc il faut que je teste ça quand j'en aurai l'occasion. Et j'ai reçu aussi le masque au miel de Manuka qui est hyper connu. C'est le masque Aura. Et ouais, celui-là aussi, petite pépite. Apparemment, parce que je ne l'ai pas encore testé. On verra bien. Et la nouveauté, c'est le sérum Eve. Voilà, comme ils apprécient tellement, ils ont donné un sérum, mon prénom. Ben merci, c'est très gentil. Non, je plaisante absolument pas. Mais bon, ça me fait très plaisir. Il s'appelle Eve, ce sérum. Donc écoutez, c'est peut-être un matchy-matchy ou peut-être qu'on ne va pas y tous entendre, on verra bien. Et c'est un sérum à l'intérieur, c'est avec du rétinol. Alors on parle de biorétinol et d'après ce que j'ai compris, à l'intérieur il y a un truc, il y a un machin qui a de la vitamine A, et la vitamine A c'est du rétinol apparemment. L'huile de cacao est bio sourcée naturelle, source naturelle de vitamine A. Donc c'est là en fait qu'il y aurait du rétinol. En plus il y a du bacucol qui stimule le collagène, réduit l'apparence des rides ridules. Et de l'huile de figue de Barbarie et de l'huile de prune de cacadu. Ça on en a déjà eu dans d'autres produits. Donc écoutez, ben ça aussi, il faut absolument que je l'intègre à ma routine pour le découvrir, parce que j'espère qu'il est bien. Voilà, écoutez, c'est tout. C'est tout, ben, je crois que c'est déjà pas mal en fait. Donc merci encore à toutes les marques pour ces jolis envois. J'ai hâte de... Il y a plein de choses que j'ai trop hâte de découvrir, notamment les routines, le skincare Foreo, là, ça, Antipode, j'adore. Enfin, tout ce que je vous ai montré, moi, en plus c'est cool, il y a des produits que j'ai re-reçus, que je connais déjà. Donc ça... J'adore aussi. Kiehl's, je connais pas. Donc j'ai déjà testé il y a très très longtemps. Mais c'est ma première collab avec eux. Et voilà, donc je suis trop contente. Merci encore. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vous ce que vous avez reçu récemment ou ce que vous vous êtes acheté récemment. Ça m'intéresse aussi. Et tout sera listé en commentaire dans la barre d'infos. Comme d'habitude, tout ce que je vous aurai présenté avec les liens d'affiliation ou pas. Mais au moins comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà tout, très bonne journée à tous et à bientôt. Salut !